Lien de sang. Eunice Noguera, de son vrai nom Maria da Gama Isilda Gil, communément appelée Lia Gama, est une actrice portugaise née à Fundão, Baroque, le 28 mai 1944. Biographie. Née dans la paroisse de Barroca, commune de Fundão, le 28 mai 1944, elle était encore enfant à Lisbonne où elle commença ses études secondaires. Par la suite, elle apprendra le métier de la coiffure, tout en se lançant dans le monde du spectacle. En effet, elle arrive au théâtre en 1960, comme assistant de promotion pour la pièce à Margarida da Rua, dans laquelle Vasco Morgado lui confie la tâche de vendre des marguerites dans le foyer du Teatro Monumental. En 1963, elle fait ses débuts d'actrice, dans la pièce Vamos Contar Mentira, aux côtés de Raoul Solnado et Flor Bela Queiroz, pendant la tournée de la pièce. Elle a participé plus tard à Badaro 9 et un demi au Teatro da Avenida. Entre-temps, l'opportunité se présente d'aller à Paris pour étudier le théâtre et en 1965 Lia Gama entre à l'école de théâtre René Simon. Au bout d'un an, à son retour au Portugal, elle rejoint la distribution du Teatro Estúdio de Lisbonne, où elle est dirigée par Luzia Maria Martins dans plusieurs pièces, jusqu'en 1968. Parallèlement, elle débute sa carrière au cinéma, avec Antonio de Macedo, dans C'était Bala para Selma, 1967. En 1968, elle s'installe au théâtre expérimental de Cascais, de Carlos Avilés. En 1970, elle fait une pause dans sa carrière. Occupée par un mariage cette année-là avec Frederico Maria O.M. Moniz Galvão, Lisbonne, 12 septembre 1946, père de son fils, João Carlos Gil Moniz Galvão, né à Lisbonne, São Sebastião da Pedreira, le 12 juin 1972. À son retour sur scène, elle mène une carrière dans différentes compagnies théâtrales, Casa da Comédia, Teatro da Cornucopia, Os Comicos, Teatro da Graça, Grupo 4, Teatro da Comuna, Comuna, Research Teatro ou Compagnia Titrol do Chiado, dirigé par des noms aussi importants que João Lourenço, Roré Silva Melo, Luis Miguel Sintra, Ricardo Pé, Roré Listopade, Fernando Guzmão, João Mota et Juvenal Garcés. À ses heures perdues, il fait des incursions dans le théâtre télévisuel et, à partir de 1974, entame une carrière régulière au cinéma, imposant son visage, de manière indélébile, à l'écran. Prix et reconnaissance. Elle a reçu le prix Casa da Imprensa pour sa performance dans le film Kila, Homo da Fita. Elle apostrophe Association portugaise des critiques de théâtre lui a décerné la médaille du 25 avril. Elle a été honorée du Sophia Awards Career Award 2019, aux côtés de l'acteur Pedro Effé. Le ministère portugais de la culture l'a distinguée de la médaille du mérite culturel en 2006. Et le 25 mars 2019, elle a reçu le grade de commandeur de l'ordre de l'Infante D. Henrique. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous.